CD. Avant chaque intervention, vous me dites, vous me rattrapez si je ne dis pas des choses, parce que je fais le novice en quelque sorte. Donc il faut toujours regarder les lieux avant de dire quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est détaché pour aller voir eh bien, ce qui se passe. Donc ils vont venir à moi et je vais leur indiquer où ils vont mettre le matériel, l'emplacement et les points d'entrée. Ce qui est important pour moi en tant que chef de la Grèce, c'est de repérer les entrées, les communications existantes pour acheminer et pour accéder à l'intervention. Point d'attaque établissé. Donc, chaque personnel est formé pour sa fonction. Donc, mon ULIAM est constitué d'un chef d'équipe qui a une formation et d'un équipier qui a sa formation. Donc, maintenant, quand ils vont rentrer, quand ils vont évoluer dans le milieu, chaque personnel sait ce qu'il doit faire. Tout en maintenant la sécurité de eux et maintenant, s'il y a des gens à chercher ou des locataires, ou effectivement, on va aussi pratiquer la protection des biens. Donc, pour nous, la protection des biens, c'est d'éviter que le feu va se propager au pavillon à la suite. Donc, en parallèle, moi, je coupe l'électricité et je coupe le gaz s'il y a lieu de couper le gaz. Donc, quand on arrive, et si c'est chez vous, ce que je ne souhaite pas, bien sûr, il est important que vous sachiez où est le coffret gaz et où est le coffret électricité. Imaginez les câbles qui commencent à fondre, qui vont venir toucher notre casque. Par exemple, on va avoir de l'eau. Donc tout ça, ça peut être producteur d'électricité. Donc il faut leur vérification totale avant de rentrer. Donc vérifier que leur masque soit bien mis. Donc ils vont se regarder comme un miroir. Et ils vont évoluer donc dans le plus de sécurité possible. Donc j'ai ma deuxième équipe qui est à disposition. Donc, deuxième équipe reconnaissance du pavillon plus ventilation s'il a lieu. Reconnaissance. Je voulais remercier aussi les gens qui nous ont prêté leur habitation pour le moment. Ça, c'est une petite information. On est toujours en recherche de sites.